C'est marqué sur le papier. J'ai fini, monsieur Moufoque, je peux partir? Non, il n'est pas l'heure. C'est le week-end? Mr. Moufok, I wanna go out tonight. Mr. Moufok, I wanna cheeky 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 boom 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 all the night. Oh please, Mr. Moufok, Mr. Moufok. On arrive en retard, on veut partir plus tôt. Vous m'avez fait peur. Je peux partir? Tu peux partir. Monsieur Moufok, on est le 30 aujourd'hui. Et là? Et alors? Merci, monsieur Moufok. Bon week-end, Goussem. Bon week-end, monsieur Moufok. Bonsoir. Tu prends une douche? Je ne serai pas à Alger toute cette semaine. À Nice! Et ce week-end, tu n'es pas là non plus. Je dois passer la semaine à l'hôpital d'Oran, à essayer de soigner des pauvres malheureux, des amputés, des estropiés. Oui, bon, ça va, ça va. Tu me gâches mon week-end, tu vas pas encore me démoraliser. Le week-end prochain, on ira dîner à la Madrague, promis. C'est de ma faute s'il y a encore des attentats? Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé un week-end ensemble? Le week-end prochain, on ira dîner à la Madrague. Promis. Excuse-moi. Tu vas pas t'ennuyer? Hmm?
Et c'est quoi ce sourire-là? Qu'est-ce qui te trottine dans la tête, hein? Je vais prendre une douche. Je suis puni? Oui, oui. Goussem, Goussem. Faut que je file. Dommage. Tiens, tu prendras un taxi. Non, merci. J'ai eu ma paye. Tu vas me manquer, tu sais. Attention à toi. Goussem, sois pas triste. Et toi qui vaut mieux ça qu'autre chose. Hein. T'as entendu parler des deux filles qui se sont fait égorger près du parc zoologique? Elles ont été violées? Goussem, je peux téléphoner. Je ne peux vous répondre pour le moment, mais si vous me laissez un message, je vous rappellerai dès que j'en aurai pris connaissance. Anis, c'est Goussem. Je suis toujours chez Pizza Rapido. On m'a volé ma paye. Bon. Je te rappelle. Toi, pourquoi tu me colles? Tu es malade? C'est pas de ma faute si on habite la même ville. Tu t'es pris une napolitaine? Non. Une 4 saisons, comme toi. Tu n'as pas mangé grand-chose. Tu sors ce soir? Oui. Et les fleurs pour ton père? Demain, à la première heure. Monstre. Pourquoi tu m'aimes encore?
Et elle, tu l'aimes? Ah, l'amour, ça me fait chier. Seul. Hé, t'aurais pas une cigarette à m'offrir? Dommage. C'est pas mal. Tu fais rentrer? On m'intéresse pas. Tant pis pour lui. Papa, comme il y en a plein au parc. Au parc zoologique? Au parc zoologique. Non, tu vas me tuer. On ne tue pas les gens qu'on aime. Alors c'est non. C'est pas de ma faute si on habite la même ville.
je te raccompagne, je vais pas Jérôme. Goussem. Dors. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, maman. Je suis propre maintenant. Tu peux dormir. Voilà, votre bouquet est prêt. Merci beaucoup, Axel. Au plaisir, au revoir. Tu me mets sur le compte? D'accord, sans problème. Au revoir, au plaisir. À vendredi prochain, au revoir. Ça va, au plaisir, au revoir. Tu es prête? Je n'ai pas mis mes cils. Laisse tomber tes cils. Tu l'as vu? Qui? L'homme. Quoi, l'homme? Le barbu. Il est passé près de toi. Tu ne me crois pas? Goussem. Tu ne me crois pas? Je vois un homme. J'avais raison. Il achète tes fleurs. C'est pour me demander en mariage. Goussem. Je vais chercher un taxi. Attends-moi. Oui, maman. Goussem. Ah, bonjour, Fifi. Allez. Bonjour, Madame Sanjar. T'es pas passée hier. Tu n'étais pas toute seule. Ah, excuse-moi, ma chérie, je travaillais toute la nuit. Ça va? Elle m'a volé toute ma paye hier. C'est pas vrai. Je te prête de l'argent. Combien tu veux? Goussem, tu viens? Je te laisse. Tu passes ce soir, hein? J'étais toujours occupée. Tu passes quand même. Bonjour Madame Sanjak, vous êtes au cimetière. Bonjour Tata Babcha. Bonjour ma chérie. Comment tu t'es fait voler ta paye? Hein? Comment? Chez ta pizza rapido. Tu dis que c'est à cause de moi? Je ne veux pas que tu empruntes de l'argent à cette fille. Tu m'as compris? D'accord. C'est toi qui payes le loyer de ce mois-ci. On va sur le trottoir. Anis? Anis! Tu es folle. Qu'est-ce qui te prend? J'ai cru que c'était Sassy. Tu nous as fait remarquer. Oh, t'aurais été bien contente qu'il te dépose. Tu es sûre que c'était lui? J'ai cru voir sa Hyundai. C'est toutes les mêmes, ces voitures. Tu as relevé le numéro de matricule? Non. Il fallait.
c'est fini. Je pourrai plus venir. Ça fait des années que tu dis ça. Tiens-moi ça au lieu de rire. Je ne ris pas, je souris. Il y a un homme qui me regarde de travers, je crois qu'il m'a reconnu. Ne regarde pas, Goussin. Monsieur, vous reconnaissez cette femme ? Non. Merci. Il n'a pas reconnu la Papicha. Et alors ? Et alors, on va sur la tombe de papa. Tu es sûre que c'était lui dans la voiture ? Je m'inquiète. Tu as 27 ans. Ça fait 3 ans que tu sors avec lui. Il est toujours avec sa femme. Je me tais. Il faudrait replanter un jasmin. Il est tard. Alors ? De toute façon, cette semaine, il n'était pas à Alger. T'as menti, c'est évident. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi ? Rien. Il ment bien à sa femme quand il est avec toi. Taxi ! Tu vas le prendre. Pourquoi tu es méchante comme ça ? Hein ? C'est ton sexy qui te met dans cet état ? Mais qu'est-ce qu'il te fait ? Moi, rien. Toi, elle va payer. Moi, je veux marcher. Mais tu vas monter. Laisse-moi marcher. Allez. Oui, monsieur, une chinoise qui vendait des oiseaux. Et quand je lui ai demandé le prix d'un oiseau, elle m'a répondu... Bonjour, monsieur. Vous allez à Sidi Abdelrahman ? Ah non. Sidi Abdelrahman ! Bientôt, elles vont se promener toutes nues. Écoutez-moi plutôt ça. C'est en mémoire du fameux Copacabana d'Alger, fermé en 1993, qu'un petit groupe de chanteurs algérois en exil à Paris ont ouvert un cabaret. Monsieur, ça ne leur passerait pas par la tête d'ouvrir une mosquée ? Ah non. Ça ne leur effleure même pas l'esprit. Et qui est derrière ? Qui donne l'argent, hein ? Arrêtez ! Arrêtez, je descends ! Madame, ma course. Madame. Bien. Et donc, le journal de monsieur.
madame. Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train d'aider monsieur Sassy. Je ne veux plus que tu fasses quoi que ce soit pour lui. Oui, madame. Reste pas comme ça, fais-moi un café. Papa ne consulte qu'à l'hôpital. Je ne suis pas malade. Vous pouvez pas rester ici. Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Anis! Anis! Ne revenez plus ici. Vous avez l'hôpital pour ça. Papa sait que son fils préfère faire ça avec les hommes. Pas entendu. Tu m'as pas entendu. Tu lui as pas dit que tu te remariais? À Yacine? Tu m'as toujours prise pour une gourde, hein? Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ta maîtresse, elle est là en train de rôder. Je m'excuse, docteur. Le tapis, je le mets dans un plastique. Le tapis est à moi! J'arrive. Allez plutôt emballer sa pute qui l'emporte avec lui! Viens voir. Viens voir. Comme tu me prends toujours pour une gourde, là, tu vas te rendre compte par toi-même. Serre-moi. Non. S'il te plaît encore. C'est plus possible. Pourquoi? La maison fait pas crédit. Je te paierai demain, je te le jure. Non. Non. Je te laisse m'embrasser. C'est bon, madame, c'est bon. Tu la serres, s'il te plaît, c'est pour la maison. Oh, merci, monsieur. Vous êtes gentil. Un double. Vous savez de quoi il est mort, mon mari? Oh, vous savez, madame, par les temps qui courent, hein. Sans glace. Pire, monsieur. Pire. Il est mort de dégoût. Remets-moi Shabbat, Jeanette. S'il te plaît. Thank you.
la population est obèse. Mais à Miami, ces obèses n'ont pas leur place. Ici, on fait plutôt du sport. Miami Beach, c'est une fête permanente à la gloire du corps humain, pourvu qu'il soit parfait, c'est-à-dire jeune, bronzé et musclé. Dans cet univers impitoyable, pas de quartier pour les affreux. Exemple, Katia. Où t'étais passé? Gossam, tu m'attendais. Maintenant, on remarque le prix. Tu es sous le... Elle était très plate. Maintenant, elle a plus confiance en elle. Elle disait tout le temps, je veux me faire refaire les seins, je veux me faire refaire les seins. Et puis elle l'a fait. Ah, si j'avais de l'argent, j'irais me refaire les seins en France. Maintenant, elle est contente. Il y a du poulet rôti. Du poulet. Il faut que je dise la presse. Goussem, je suis allée à la madrague. Oui, j'avais compris. Je dois me tenir au courant de tout ce qui se passe. C'est évident. Goussem. Oussama Ben Laden. Ben Laden reste introuvable. Il est trop fort. Ils ne pourront jamais le capturer. Qui c'est? Désiré. Goussen. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un homme qui te demande. C'est qui? Un homme. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Un client. Oui? Fifi? Monsieur, venez, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Mettez-vous à l'aise. Tu passes tout à l'heure. Toujours occupée. Oh. Ne me fais plus jamais ça. Il t'attend. On vient voir où habite la putain de papa. Je veux pas mêler de vos histoires. Tu vas tout lui dire, c'est ça? Mais je m'en fous. Tu baises avec qui tu veux. Yassine. Je suis pas méchante à ce point. Puis je sais pas ce que vous avez fait. C'était bien, moi. C'était bien, c'était pas bien. Tu habites ici depuis longtemps? Tu sais, Goussem, il ment tout le temps et à tout le monde. J'y vais. Au revoir, Goussem. Je veux qu'on se marie. Je t'ai jamais menti. Tu as toujours su que j'étais marié. Mais tu l'aimes plus. Oui, c'est vrai. Alors? Et alors, mais... Goussem. Deux secondes, un barrage.
Allô? Tu es avec ta femme? Non. Mais pourquoi t'as attendu maintenant pour me parler de mariage? J'ai 27 ans, je veux plus rester comme ça. 2 et 7. Mais qu'est-ce qui t'empêche de m'épouser? Tu veux pas épouser une fille comme moi, c'est ça? On se voit dès mon retour. Je t'embrasse. Je sais rien. Comment ça, tu ne sais rien? Toi qui es toujours collé à lui, tu sais pas où il est. Mais il vous a dit qu'il partait sur Oran. Il était où hier? Mais Goussem, je suis infirmier, je suis pas policier. Est-ce qu'il y en a? Maintenant, je vais photographier votre bébé. Enfin. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Ça y est, je suis là. Ça ne peut plus durer. Vous allez faire pleurer le bébé, monsieur Moufoque. Excusez-moi. Tous les jours en retard. Tous les jours. Il y a eu un attentat. Que pas les jeunes. C'était quoi? On peut prendre pour un passeport. Des photos d'identité. Et désagréable avec les clients en plus. Bon, alors ce sera les deux. L'habillé et nu. Bien. Ouais. Très bien. Suivez-moi. C'est vrai? C'est vrai quoi? L'attentat. Tes photos ne sont pas prêtes. Soit tu n'as pas compris, soit il t'a pas expliqué. T'as pris deux poses. Ah, tu ne m'as pas expliqué. Tu choisis celle qui te plaît. Je vais prendre une habillée et une nue. Ha ha ha. Alors? Je ne sais pas. Celle qui te plaît. C'est pour un passeport? C'est pour traverser la mer. Vaut mieux celle avec le sourire? D'accord, pour le sourire. Bon. C'est pour quand? Quand tu seras fixé sur un sexe. Vous êtes fatigué. T'as ta papcha? Oui. Papa te donne tout ce qu'il a trouvé. Merci, ma chérie. Viens par là, viens. Tata Papcha? Oui. Maman, elle dit que tu veux récupérer tous les journaux parce qu'ils disent que tu as été entraîneuse. Toi aussi, tu t'y mets? Hein? Tu peux partir. Je t'ai aidé à trouver. Je vais faire un café. Tu veux du lait? Du coca. Il n'y a pas de coca. Danseuse. Tata Papcha. Quoi? Moi, je vais être danseuse. Comme toi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont dit qu'ils vont la transformer en mosquée. En mosquée? Tu entends ça, Tiziri? Le Copacabana en mosquée? Qui t'a dit ça? C'est les gens du quartier qui disent ça. Qui leur a dit que ça va être une mosquée? Je sais pas, moi. Tu ne sais pas? Et ça, c'est quoi, hein? Qu'est-ce que c'est que ces bâches? Madame, prenez-moi quelque chose.
Offre-moi un lion. Je vous offre une cigarette. Un lion, c'est trop cher pour moi. Une cigarette. Un lion, c'est trop cher. Désiré, attaque. Tata Papicha. Oui, ma chérie. Est-ce que c'est péché d'être danseuse? Qui t'a dit ça? C'est ton papa ou ta maman? C'est ma maîtresse. Eh ben, allons pêcher. Mais où? On se sépare. Attention, tu vas attraper froid comme hein? Ça. Quoi? Tu t'appelles comment? Samir. T'as une voiture, Samir? Non. Tu comptais me faire marcher? Et toi, t'as une voiture? Tu es trop raide. Pense à la mer. Pense aux vagues. Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Et là, tu te penches vers les hommes. Roulement. Roulement. Goussin, pas de lumière, s'il te plaît. Donne 5 minutes pour tout ramasser. On cherche un article sur le Copacabana. Il paraît qu'ils vont en faire une mosquée. Tant mieux. C'est mon soutien-gorge, je le remets à sa place. Je vous ai dit 1000 fois de pas jouer dans cette horloge. Allez, c'est bon. Non. Tu me donnes la ligne? Ah, Goussem. Oui. Le propriétaire réclame le loyer. Ça peut pas attendre un peu. C'est bien qu'il est intraitable.
Vraiment, je voudrais pas vous voir partir. Je sais. Ça ferait pleurer Tiziri. Elle est tellement attachée à ta mère. Tu lui donnes sa ligne? Tu lui donnes sa lettre? Tu vois bien que je suis occupée, non? Allez, Laïla, Ryan, à table, on va manger. Allez, assieds-toi. Elle est où, Tiziri? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour toi. Cher Goussen, je t'écris cette lettre pour t'avouer mon âme. Alors, mademoiselle Goukou, vous aurez dû payer votre loyer. Et pourquoi donc, monsieur Nono? Parce que 2 et 2 font 4 et qu'il faut toujours payer ton loyer. Mais je n'ai plus d'argent. J'ai un peu réfléchi à ce que tu m'as dit. Tu as raison sur une chose. Je ne peux pas te faire perdre ton temps. Mais tu dois reconnaître qu'on est bien comme ça. Peut-être que si on se mariait, on ne s'entendrait plus. Je sais que c'est difficile de vivre la vie qu'on veut dans ce pays. J'en souffre autant que toi. Je te demande de me donner encore un peu de temps. Dès mon retour, on ira dîner à la Madrague. Post-scriptum, je t'ai mis un peu plus que l'argent du loyer. Tu boiras ma santé. Je t'embrasse tendrement. Anis. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rentre chez toi. Pas dodo avec Laïla. Pas dodo. Va coucher ta sœur. Oui, papa. Tiens, pour le loyer. Le reste, tu boiras à ma santé. C'est Goussem. Je suis occupée. Je peux pas te parler, je suis avec lui. Ça va? Attends, arrête. Attends, je parle avec ma soeur. Coucou, je suis désolée. Je te vois tout à l'heure, d'accord? Tu n'es pas allée chez Rapido à son meilleur. Tu peux te rhabiller? Je ne suis pas nue. Tu sais, Goussem, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé de réouvrir le Copacabana. Tu peux regarder la télévision et manger ta pizza tranquillement. Pourquoi? Tu crois que j'en suis pas capable? Mais c'est bien. Comme ça, s'ils veulent t'égorger, ils sauront te trouver. Mais ma chérie, le terrorisme, c'est fini. Pourquoi tu t'excites alors dès que tu vois un barbu? Le terrorisme, c'est fini. C'est pas moi qui le dis, c'est Boutef. Demain, on rentre à Sidi Moussa. Non. Je vends Sidi Moussa et je rachète le Copacabana. J'ai toujours le droit de vendre mon appartement. Mais plus personne va habiter Sidi Moussa. S'il est barbu, tu négocieras avec eux. Quand on a passé une journée contrariante, on se boit une bière bien glacée, bien glacée. À ton âge, on ne refait pas sa vie. Je suis une artiste, moi. Danseuse à moitié nue. T'appelles ça une artiste, toi? C'est la danseuse à moitié nue qui t'a élevée. Maintenant, c'est moi qui te nourris. Je rentre à Sidi Moussa. Je reste pas une seconde de plus. Vous s'en mêlez. Oui, c'est vrai. Tu as raison. J'ai dansé à moitié nue. Et je n'ai jamais été une putain. Je n'ai besoin de personne pour me payer quoi que ce soit. Sidi Moussa, c'est chez moi. Mais va te faire tuer! Oh,
Picha, qu'est-ce qui se passe? Picha, qu'est-ce qui se passe? Ça me déteste, Nono. S'il vous plaît, Picha, j'ai retrouvé l'article. Le Copacabana. Merci. Je t'aime comme un fils. Venez, on va fêter ça. Je vais chercher une serviette. J'ai lu l'article sur le Copacabana. C'est vrai, vous allez partir en France? Jamais de la vie. Tu me vois me rabaisser, aller demander un visa aux Français? Moi, ce que je veux, Nono, c'est réouvrir le nôtre, le vrai Copacabana. Et comme ça, on pourra leur demander à tous de rentrer. J'arrive, je vais vous ouvrir. C'est qui? T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Comment ça, rien? J'ai entendu ta mère crier. Tu me caches quelque chose. Sassy ne veut pas m'épouser. Oh, le salaud. Aïe! Tu me fais mal. J'ai besoin de tendresse. Hé, je suis pas ta mère, hein. Téléphone. Viens dans la chambre. Je te manque déjà. C'est lui, il a perdu son flingue. Tu l'as cherché toi-même? Rien. Puisque je te le dis. D'accord. Ciao. Va savoir toi où il a foutu son flingue. Il ne s'en souvient plus? Non, ça promet, hein? J'ai pris un bain, j'en profite avec cette eau tous les trois jours, c'est en kikinant. Tu veux prendre un bain? Non, merci. Fais pas cette tête, tu vas la voir, ton Sassy. Allez, viens, on va se fumer une cigarette sur la terrasse. Tu vas tout me raconter. Tu vas plus? Ça va.
Tu sais que tu peux compter sur ta sœur Fifi. C'était vraiment Sassy ? Je sais plus. Et lui, évidemment, il t'a dit qu'il n'était pas à Alger. J'ai vu son fils hier. Alors, c'est pareil, tout ça. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu montreras la lettre si tu veux. Tu as froid ? Allô ? C'est de la part de qui ? Ah ! Ça y est, je me souviens. Derrière sa colère, bien sûr. Ah bon ? Hey. Une nuit complète. La totale. Hey, d'accord. Rachné, hein. Oui. Demain, 21h. Et n'oubliez pas de dire au gardien que vous êtes un cousin. Hein? D'accord. Ciao, ciao. À demain. Le verre te va très bien. Cadeau d'un Espagnol. Très, très gentil. Vale. Je te le prête. Le châle, hein? Fifi, tu n'as jamais pensé à te marier? Tous les hommes qui viennent me voir sont mes maris. Ça fait un peu beaucoup, non? Demain, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. C'est pas grave. Demain, je t'emmène voir une grande dame. Elle va tout te dire sur ton Sassy. Elle peut même te le transformer en toutou. Il va te manger dans la main. T'as qu'à lui dire que ta mère s'est cassée une jambe. Tiens, prends mon portable. Tu l'appelles et tu lui dis. Comment ça marche? Ah, tu oui. Vas tout apprendre. Hein. Mais c'est vrai, monsieur Moufoque, elle a glissé sur une pierre. Elle a 3 points de suture. Merci, monsieur Moufoque. Est-ce que c'est toi, ma chère? Merci. Un mariage. Malika ! Malika ! Malika ! Qu'est-ce qui se passe ? L'esprit l'a quitté. C'est fini, mesdames.
Malika, tu peux rester. Allez, mesdames, s'il vous plaît, c'est fini. Allez, s'il vous plaît. Allez, mesdames, c'est parti. Revenez demain, il ne faut pas résister. Allez, revenez la prochaine. Allez, c'est fini. Vous êtes toujours là, madame. Allez. Oh, non, ma fille. Ça fait 4 heures qu'on attend. Revenez demain, madame. Pourquoi elle reste? Bon, vous allez revenir demain. Allez-y. Prenez qu'on a ça à faire. S'il vous plaît. Bonjour, madame Toiti. Bonjour, Angela. Bonjour, madame Sanjak. Bonjour. Désirée n'est pas là? Elle est à l'école. Asseyez-vous, Papicha. Un café, il est encore chaud. Non, merci. Nono, le cadastre, c'est loin? Juste avant Miramar. Papicha, dans quelques années, il pourra vous accompagner. Il veut voir Fifi. Bonjour. Fifi n'est pas là. Vous n'aviez pas rendez-vous? Je vais l'attendre dans sa chambre. Je n'ai pas la clé. Monsieur, je vous dis que je n'ai pas la clé, monsieur. Monsieur! Sûreté nationale. Il fallait bien que ça arrive un jour. C'est mon rêve d'avoir une maison comme celle-là. Mais il faut de l'entretien, hein? Sinon... Tu as entendu parler de la maison qui s'est effondrée à la Casbah? Non. Il y avait 9 familles. Tous ceux qui habitaient au rez-de-chaussée sont morts. C'est pas malheureux. Je suis en retard. Vous pouvez monter! Ah, tu vois? Qu'est-ce que je t'ai dit? Fallait pas. Je t'en prie, merci. Merci. Tu lui as donné combien? Consulte. Elle. Alors toi, tu attends dehors. Approche. Tu t'appelles comment? Goussem. Prénom rare pour une fleur rare. Enlève tes chaussures et rejoins-moi. Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Quelqu'un t'a fait du mal? Je suis avec un homme depuis 3 ans. Et maintenant, il me fuit. Il me ment. Je ne sais pas. Célibataire? Non. Je vois. Tu me dis tout. Du café! Moi, je suis très fatiguée. Il y a trop de monde. Il y en a une que je vois plus, c'est la naine. Figure-toi, c'est mariée. C'est pas vrai. Bien sûr. Avec un beau brun. Merci, Mo. De rien, ma belle. Combien t'as mis de sucre? Ah. Ah.
Régime. Moi, c'est sang. Ah. Il y a une femme devant toi. C'est sa femme. Une femme. Tu as une sœur? Non. Tout ça est trouble et compliqué. 27 ans. Tu n'es plus toute jeune. Mais tu restes fraîche. Nous pouvons t'aider à faire une belle rencontre. J'imagine que pendant 3 ans, avec ton docteur, vous n'avez pas fait que vous regarder dans le monde. On est en 2003. Si on est en 2003, il ne faut pas venir me voir. J'ai un homme veuf, sans enfant. Je suis pas venue pour ça. Est-ce qu'il m'aime au moins? Je veux juste savoir s'il m'aime. Et toi? Est-ce que tu l'aimes? Au revoir, Mo. Au revoir, Fifi. Goussem! Si tu veux te caser, elle peut te trouver un bon parti. C'est ça. Qui voudra d'une fille de 27 ans? Pas vierge, 2 avortements, une mère danseuse? Ne dis pas ça. C'est vrai? Puis c'est tout. Oh, Goussem, regarde. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Moufoc va me faire une scène. C'est sûr, quand c'est un mariage d'amour, on n'a pas l'impression de se caser. L'amour. C'est beau. Je te l'offre. Suffit. Ça me fait plaisir. Mais j'ai même pas où le mettre. J'ai la Joconde et les plus petits. C'est celui-là qu'on veut. Goussem, regarde, tu es là. Ton prince charmant est là. Il tue tes malheurs. Le dragon, c'est les malheurs. On le prend. Dites-moi au moins s'il est abandonné. Madame, si le lieu est abandonné, ça veut dire que c'est un bien vacant. Il devient donc automatiquement propriété de l'État. Et comment je peux savoir si c'est un bien vacant? Le formulaire. Donnez-moi le formulaire. On n'a plus de formulaire. Je reviens dans 1 heure. Comment ça vous revenez dans 1 heure? On n'a pas le droit de manger? Dans 2 heures, monsieur. Et le petit café? S'il vous plaît, monsieur, vous pourriez m'aider? Je voudrais un formulaire. Il n'y a plus de formulaire. Je cherche une petite information sur un établissement qui s'appelle le Copacabana. Eh bien, vous allez directement au Copacabana. C'est fermé. Je suis fatiguée. Vous avez votre livret de famille? Oui. Je ne vous oublierai jamais pour ce service. Vous êtes veuve? Hélas, oui. Remariée? Personne ne s'est présenté et j'ai dû m'occuper de ma fille. Prenez ma place. Je reviens. Ne laissez entrer personne.
bien partie de la famille des héritiers du Copacabana. Non, pourquoi? Alors, on ne peut vous donner aucune information. Je cherche à rentrer en contact avec les héritiers. Juste rentrer en contact. Tu me rends mon arme. Mais Chouchou, mais tu l'as cherché toi-même. Rends-moi mon arme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton arme? Attends! Madame Sinjak. Oui? Vous allez voir cette personne, elle pourra vous renseigner. Monsieur Fares, c'est qui? Un restaurateur. Un restaurateur? J'aimerais bien vous inviter à prendre une glace. Ça me ferait du bien. C'est réciproque. Chouchou, ça fait des années qu'on se connaît. Si j'avais besoin d'un flingue, je te l'aurais demandé directement. Et arrête de m'appeler Chouchou! Tourne à gauche. Où tu m'emmènes? Tu veux de l'argent? Je veux mon arme. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. C'est... Pourquoi tu as pris cette rue? C'est toi qui m'as dit. Imbécile. Laisse. Déménage. Je sais pas. Monsieur, c'est à vous? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux jouer avec Laïla. Elle est pas là, rentre chez toi. Quelqu'un? Nono, qui déménage? Fifi. Fifi? Elle cherche à se planquer, c'est évident. Bon débarras. Désirée n'est pas là? Elle est occupée pour le moment. J'ai trouvé ce tableau devant la porte, c'est à qui? Je ne sais pas. Excusez-moi, c'est lourd. Nono, si quelqu'un le réclame, tu sais qu'il est chez moi. Oui, Papicha. Ah. Elle n'est pas là. Ah, oh, c'est un fifi. Non, papa a tout acheté au marché. Ah, oh, maman, je peux le prendre. Je peux la voir. Je peux la voir. Moi aussi.
tuer. Des terroristes? Vous devez faire partie de la fête. Ils veulent tuer la voiture derrière. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous voyez bien qu'on a un enfant. Qu'est-ce qui se passe, maman? Appelez la brigade antiterroriste. Vous avez un portable? Avec Fifi, pas de tabou. Je suis occupée. On est vraiment fait. Laissez-moi un petit message. Ils n'entendent pas. Normal avec ce boucan. Faites voir. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô, merde, on le sent. Écoutez, pas. Mademoiselle. Allô? Dès qu'on arrive à la place des martyrs, descendez. Normalement, là, il n'y a pas de risque. Vous rappelez la brigade, d'accord? Non. Comment ça, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de c'est fou? C'est qui cette vous allez descendre, ici. Mademoiselle, vous descendez. Vous ne pouvez pas rester mais ici. Mais vous allez descendre. Vous descendez. S'il vous plaît. Ah, non. Va tous me tuer. Il va me tuer. Descendez. Il va vraiment me tuer. Descendez. Arrête la voiture. On va tous passer à côté. S'arrête. À chaque Fares qu'on a appelé, hein? T'as pensé au 021? Bien sûr, ma chérie. Bonsoir, Goussem. Bonsoir. J'ai du courrier? Non, rien. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Tiziri, occupe-toi de tes sœurs. Ici, c'est Papicha. Qu'est-ce que vous faites? Papicha. C'est Fifi qui te l'a donné? C'est mon papa qui me l'a acheté au marché. Oui. Quoi? Oh. Arrêtez. Fifi a déménagé. Du restaurant Le Rouge-Gorge. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est papa qui me l'a acheté au marché. Goussem! Tu ne vas quand même pas te faire de la bile pour une putain. Je n'ai pas la clé. Goussem! C'est Fifi qui t'a donné le tableau? Je l'ai trouvé devant la porte de l'hôtel, pourquoi? Goussem, ne te mêle pas de ça! Ça nous dépasse!
Comment ça, tu ne sais pas? Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Désirée, la porte. La porte. Elle ne m'a jamais parlé de déménagement. Mais Goussem, si je te dis que je ne sais pas, c'est que je ne sais il pas. Il ne sait pas, dis qu'il sait Mais elle pas. T'a laissé une adresse au moins. Non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle n'était pas là. Comment ça, elle n'était pas là? Mais qui a fait ce déménagement? Des types. Comment ça, des types? Des types. Des types. Il a rendez-vous avec Fifi. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec, avec Madame Fifi. Vous aviez rendez-vous à 21h? Je suis un peu en avance. C'est ma cousine. Avec Fifi, pas de tabou. Je suis occupée ou dans les bras de Morphée. Laissez-moi un petit message et je vous rappellerai. Bisous. Fifi, c'est Goussem. Rappelle-moi, s'il te plaît. Donne-moi tes nouvelles. Hein. Je suis à l'hôtel. Tu le veux? Je te le donne. C'est Fifi qui te l'a prêté. Il y avait 3 hommes. Ils ont tout pris. Goussem, Fifi ne reviendra plus. Je sais pas. Qui a commencé. Et toi, monsieur Yassine, tu te crois en Europe? Je préfère les mecs de chez nous. Vous voyez? Il recommence. Je préviens ton père, c'est ça que tu veux? Mon père, il n'est pas joignable. Il se remarie ce soir. Mademoiselle? Savez-vous, Sam? Ah, vous êtes de sa famille. Vous savez ce qu'il a fait, c'est passible de prison. Il faut surtout pas qu'elle recommence. D'accord? Le fichier. Moi. Je peux partir? Non. Oh, pas lui. Parce que lui, c'est lui, et toi, c'est toi. Vous pouvez partir, mademoiselle. C'est pour un avis de recherche. Pourquoi? Un avis de recherche. Une amie a disparu. Si c'est un enlèvement terroriste, c'est pas ici. Je ne sais pas. Farida Badr. Farida Badr ou Fifi? Farida Badr. Tout le monde l'appelle Fifi. Date et lieu de naissance ou âge? 33 ans. Il y a un petit bazar. Taille? 1m65. Couleur des cheveux? Je ne sais pas. Bleu, vert, rouge, châtain? Je sais pas. Alors, couleur des yeux? Marron. Marron. Teint? Clair. Profession? Nourrice. Vous avez une photo? Non. Mais vous croyez que c'est la seule à disparaître? Les gens disparaissent par milliers? Demain. Ok. Demain. Sans faute. Hein. Au revoir, mademoiselle. On a fait au Sheraton. On va débarquer par surprise.
la connais? Je l'ai vue une fois. Il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'elle me veut, la poufiasse? Sauve-toi! Vite! Ça va? Ça va. Dès qu'ils jouissent, ils deviennent agressifs. Tu l'as eu comment? Tu le veux, je te le donne. Je vais quitter ce pays. C'est mieux pour moi. Au revoir, Goussam. Au revoir, Yessi. Maman te demande de venir te coucher. Tu as réveillé ton frère. S'il vous plaît, jeune homme, je cherche Monsieur Fares. Dans un instant. Je peux vous aider, madame?
Bonjour, monsieur. La papicha. Vous vous souvenez de moi? Vous êtes monsieur Fares? Oui. Je venais presque tous les soirs vous voir danser au Copacabana. C'est votre fille? Oh, vous me flattez, monsieur Fares. Elle est mignonne. Merci. Vous vous étiez caché, je vous ai cherché partout. J'ai eu des problèmes. Des problèmes. Venez avec moi, venez. Regardez-moi ça. Tata Papicha, c'est toi? Bienvenue au Rouge-Gorge. Non, plus la peine. Pourquoi? Farida Badr, dite Fifi, est morte. Quoi? Mais comment elle est morte? La carte d'identité. Tu n'habites plus à Sidi Moussa. C'est pour faire la putain que t'es venue à Alger. Je peux la voir. Morgue de l'hôpital Benaklin. La carte d'identité. يا وحتى للقيب الروياح ويا قل يا ابويا وكي يا ربي وكي يا ربي وهنا ناي وهنا ناي يا قاع الموت الموت هو الباقي الله ويا عاي قلبي 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 عاي ربي 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 والمدبلي نعمر راسي Oh, c'est la rage quand je vois comment on traite les artistes dans ce pays. Monsieur Fares, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Ah non, non, Papicha, non. Ici, on reçoit l'ancienne clientèle de tous les cabarets d'Alger. Le Copa, El Paso, la Koutoubia, Dar es Salaam, tous. Hein? Bien sûr, Papicha. Monsieur Fares, à mon âge, me remettre à danser. La Papicha n'a pas d'âge. Pas danser. Chanter. Hein? Chanter. Et pourquoi pas, Papicha? Vous avez une très belle voix. T'es témoin. Merci, mes amis. Merci beaucoup. Goussem, il est au bloc. Je suis à la morgue. Rien de grave, j'espère. Comment ça, Goussem à la mort? Docteur, on vient de la voir. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Ben, il va falloir lui faire une anesthésie générale à ce gosse. Ben, c'est ce que je pensais. Docteur, qu'est-ce que je fais? Bon, docteur Braik va vous le circoncire. C'est pas possible. C'est péché. Bon, s'ils sont pas contents, tu les envoies chez le barbier. Vous pouvez pas récupérer le choix. Je suis désolé. Goussem. Qu'est-ce qui se passe? Je veux récupérer le corps d'une amie. D'accord, pas de problème. Hussein. Hussein. Tu as sorti son rapport? Elle est arrivée ce matin. Mais qu'est-ce que c'est que cette foire? Où est le rapport?
Laisse-moi me prostituer. Et alors? الغدر مش حق عليك ما يسخو يا يما يا قلب يا أبنيت له أبنيت له أحيوطوا بالساس أحيوطوا بالساس جولوي باتي سيمير يا زوقت له خاطر بالوان 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 يا والخاطر بالوان حتى المياه أجلد في الخصاص أجرات في الخصاص يا قلبي ما عملت له غلي في الحال في الحال في الحال يا غلي في الحال لكن باين عليه وجهه تعبير وتحية عمرهم كانوا ليها أمال في ينكر معشناه الخير ويبدل محبة باللي يغويها أمال في ينكر معشناه الخير يا ويل يا ليل يا جلا ديتي بور لي مالوغوز وعلاش دو الغدر علاش دو الغدر عبدو علاش دو الغدر مش حق عليهم علاش دو الغدر عبدو علاش دو الغدر أخويا علاش دو الغدر مش حق عليهم حتى عبدو حتى حتى تضيعوا حملتهم مسكت حملتهم مسكت جيتو تاكسيتي يا عبد وحملت المعالي وزاد الحيلات يا يميلي أنقرة يا والحيلات لكن باين عليه وجوه تعبير وتحقير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليها فارس
pas les filles encore, mais je vais vous le dire. Bien, bien. Merci, monsieur Fares. Oui, bête le mahabba, belle yourouia. Allez, je te le redonne. Allez, je te le redonne. Allez, je te le redonne. Mouche hankale. Waka galbi, allez, je te le redonne. Mouche hankale. Waka amri, allez, je te le redonne. Mouche hankale. Chauffeur, arrêtez-vous, je descends. Non, c'est pas l'arrêt. Je veux descendre quand même. Samir ? C'est bon. Eh oui. Salut Goussem. Tu n'as pas traversé la mer ? J'attends, c'est pas facile. Et toi ? Tu t'es marié ? C'est pas facile. J'attends. Samir ! Vas-y, rejoins-les. Tu veux faire une partie ? Je suis billard. Juste un jeu. Non, c'est pas pareil. Les boules, c'est les boules. Billard, c'est billard. C'est toi qui vois. Bonjour. Bonjour. Tu aurais pas une cigarette ? Oui, bien sûr. Chez Monsieur Moufoc, le photographe. Je pense que c'est.